partager, le dirigeant prendra le pupitre et après quoi je viendrai prier pour le peuple de Dieu. Cette année sera totalement différente pour vous. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ce jour glorieux, un jour pour t'adorer, nous prions. Qu'aujourd'hui, la joie du Seigneur soit notre force au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tout moment passé devant toi soit un moment de joie, un moment de satisfaction, un moment d'accomplissement, un moment de révélation de recevoir de toi au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous dans ta parole ce jour et par ta parole, que ta bénédiction coule dans toute vie. Te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons voir Ézéchiel 36 et je lis verset 11. Ézéchiel 36, nous lisons le verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les oiseaux. Ils les multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien. Je vous ferai plus de bien. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Là, nous avons la promesse de Dieu. Et ici, nous avons la prophétie de ce que Dieu a dit qu'il fera pour nous. Il a la puissance d'accomplir ses promesses. Il a la puissance de faire ce qu'il veut faire. Mais il y a quelque chose qui relie à cela. Quelque chose qui conduit à la bénédiction de Dieu dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies en tant qu'église. Voilà le verset 25. 25 dit, je répandrai sur vous une eau pure. Il ne peut pas nous bénir totalement, il ne peut pas absolument nous bénir dans un état d'eau sûre, de péché, d'iniquité. C'est pourquoi il a dit que mais je vais vous faire de bonnes choses, mais je vais vous multiplier, je vais accomplir les bons désirs de vos cœurs, mais je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça y est, le salut avec la conversion, avec la purification, que tous vos péchés passés, pas les péchés de l'année passée, mais les péchés de toute votre vie. Si vous n'êtes pas né de nouveau, mais vous professez être de nouveau, mais vous ne menez pas la vie convertie, purifié, transformé, et dit la première chose à vous faire en préparation des choses meilleures à accomplir dans votre vie. Il dit, il va vous purifier, il va vous laver, il va embellir votre vie et rendre votre vie pure, juste et sainte. Et 2, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il y a des prédicateurs et des proclamateurs de l'évangile qui croient que le salut est ce dont on a besoin, que une fois qu'on est de nouveau, c'est fini. Une fois qu'on est sauvé, c'est fini. Quand on parle d'une autre expérience, l'œuvre de la grâce, la seconde œuvre de grâce dans le cœur, c'est quoi ça? Et que nous avons tout obtenu en verset 25. Que nous avons tout reçu dans le salut. Nous avons tout reçu dans cette expérience initiale d'être né de nouveau. Pourquoi Dieu a promis d'autres choses? Parce qu'il a dit en verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. C'est fait. Verset 25, il n'y a pas de doute de cela, de ce vrai salut, de ce pardon total, une conversion totale. Et nous dit que je vous purifierai moi-même. Je vais verser de l'eau sur vous et vous serez purs. Il n'y a pas de doute de cela. Alors la conversion, mais que ce n'est pas fini, mais ce n'est pas encore fait. Mais il y a une autre chose, la sanctification, la sainteté de cœur, la pureté de cœur. Et je vais faire cela. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire que j'ai déjà, je vous ai sauvé, c'est accompli. Vous êtes converti, c'est fini.
vous vous êtes repenti, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, votre vie est nouvelle, c'est vrai, mais faut pas quitter. Revenez pour ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 25 est le salut. Verset 26, la sanctification. Et que je n'ai pas encore fini avec vous. Verset 27 est dit, je mettrai mon esprit en vous. Jésus n'a-t-il pas dit que après que les gens étaient sauvés, après avoir dit que réussissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, après être né de nouveau, après avoir prié pour eux, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité, n'a-t-il pas dit après cette sanctification, attendez dans la ville jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi le verset 25 est pour le salut, verset 26 c'est la sanctification, le verset 27 l'immersion dans le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il a dit, je vous donne ces trois expériences chrétiennes, alors vous serez en mesure d'accomplir la totalité de toute ma volonté. Et dit même, j'ai donné, bien que j'ai donné les promesses, ce n'est pas automatique, vous devez prier. Verset 37, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Ouais, je me laisserai fléchir. Ouais, vous devez chercher ma face. Vous devez me prier. Vous devez présenter vos requêtes. Après cela, je vous donnerai ce que j'ai promis. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Voyons Matthieu. En Matthieu 6. Matthieu 6. Voilà le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je relis cela. Mais cherchez premièrement. Que ceci soit le numéro un dans votre cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis il a dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cette année, c'est une année d'addition. C'est une année de multiplication et les bénédictions de Dieu atteindront vos vies cette année au nom de Jésus-Christ. En particulier, je vois ce verset 33. Et le message d'aujourd'hui est intitulé Redécouvrir la voie oubliée à la bénédiction. Redécouvrir la voie oubliée à la bénédiction. Plusieurs prient. Et à la fin de l'année écoulée pour rentrer dans la nouvelle année, Dieu, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Et on fait une liste longue de ce qu'on veut que le Seigneur fasse pour nous. Et on oublie la voix. Et Jésus nous a révélé en une seule phrase, comme c'est révélé dans la totalité de l'Écriture, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, comment nous devons nous plonger dans la bénédiction de Dieu. Redécouvrir la voie oubliée à la bénédiction. Nous devons redécouvrir cela. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a trois choses ici. Tout d'abord, avoir la priorité. Cherchez cela. Faire de la priorité la plus. Faire de la priorité le plus grand Dieu. Il est plus élevé que tous les hommes. Il est plus que tout. Le plus grand Dieu. Vous devez faire de ce Dieu le plus priorité. Faire de votre priorité le règne du plus grand Dieu. Faire de votre priorité le plus grand Dieu qui règne. 2.
Recherchez la justice. Recherchez la justice du royaume céleste. C'est ce qu'on voit. Cherchez d'abord le royaume. La justice de Dieu. La justice de son royaume. Recherchez cette justice. Toi, possédez la justice. Possédez la richesse de son saint royaume. Verset 33. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses qui seront ajoutées, les richesses, les ressources, les choses matérielles, physiques, naturelles, spirituelles aussi, tout ce que vous désirez, toutes ces choses seront ajoutées. Numéro 1, vous devez d'avoir poursuivre. Numéro 1, vous devez faire de votre priorité son règne, de vous rechercher sa justice. Toi, vous possédez la richesse. Numéro 1 maintenant. Faites de votre priorité le règne du plus grand roi. Faites de votre priorité le règne du plus grand roi. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Nous parlons de la voie oubliée à la bénédiction. Plusieurs ont reconnu ceci au départ, mais plusieurs ne reconnaissent pas ce jour. Mais si vous allez avoir ces choses que le cœur désire, il n'y a qu'une seule voie et un seul moyen. Alors, on ne veut pas changer ceci, on fait cela, on désire ceci et cela. On veut embrasser ceci, agir comme ceci n'est pas important. Mais la chose première, la priorité, chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est comme si d'autres choses n'importent pas. Comme ces choses ne comptent pas. Voyons, deuxième chronique. En deuxième chronique 1. En deuxième chronique, chapitre 1, 7. Deuxième chronique 1, 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Et si c'est vous, si vous ne connaissez pas la voie à la bénédiction, si vous croyez que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, vous allez commencer à présenter votre liste devant le Seigneur. Mais Salomon répondit à Dieu: tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger, diriger, conduire, enseigner? Car qui peut juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque il faut souligner ce mot-là, puisque il faut souligner bien ce mot, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, vois cela, les richesses qu'un homme ordinaire demanderait. Les richesses qu'un roi ordinaire demanderait, les richesses qu'un politicien demanderait, les richesses qu'un homme demanderait, les richesses que celui qui va à l'église demanderait, les richesses qu'un chrétien pentecôtiste demanderait, les richesses qu'un chrétien qui fait la veillée demanderait. Mais puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Tu as mis mon peuple, mon royaume devant toi. Tu as mis mon peuple, ma gloire en premier lieu, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre ce qu'il n'a pas demandé, des richesses qu'il n'a pas demandé, des biens qu'il n'a pas demandé, et de la gloire.
comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Vous allez voir ce que le Seigneur dit ici. Il dit, parce que tu demandes ma gloire, parce que tu veux accomplir la portion que je t'ai donnée de pouvoir régner sur mon peuple d'une manière parfaite, d'une manière acceptable qui me satisfera, parce que tu m'as mis en premier lieu, toute autre chose je te le donnerai. Vous devez faire de cela votre priorité. Le royaume de Dieu et la gloire de Dieu et la justice de Dieu. Vous agissez comme le mariage. Oui, d'accord, Dieu fera cela, mais c'est pour la chose la plus importante. Le boulot, Dieu fera cela, mais c'est pour la chose importante. Le succès, Dieu fera, mais c'est pour la chose la plus importante. Mais le royaume de Dieu, vous êtes né de nouveau. Parce que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit, voici la chose première, ma relation avec Dieu. Voici la chose première, ma soumission à Dieu. Voici la chose première, ma vie en Christ. Et vous faites de cela votre priorité. Voyons, ceux qui n'ont pas fait cela et qui croient que voici ce que je veux, richesse, voyez ce que je vais faire, voyez ce que j'aurai. Si je n'ai pas cela, alors pourquoi me parler du salut, être né de nouveau, être purifié, lorsque j'ai fait, lorsque j'ai besoin de la nourriture, lorsque j'ai besoin des habits, ceci et cela. Comment penser au salut, comment penser au royaume de Dieu, comment penser à mettre la gloire de Dieu, la justice de Dieu en premier lieu, la beauté de la sainteté en premier lieu. Comment penser à cela lorsque ici je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. La folie d'un homme, la folie d'une femme qui oublie Dieu. Alors, cette personne va se concentrer sur les choses personnelles, physiques, avant la gloire de Dieu. Mais si vous êtes sage, je vous dis de mettre Dieu en premier lieu. Je vous dis que la chose importante, c'est qui vous êtes avec Dieu. Et vous dites Dieu et son royaume, Dieu et sa gloire, sa puissance et ses exigences. C'est ce que je prends en premier lieu. Ce faisant, dans votre vie, les autres choses s'en suivront. En Luc 12, en Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Je veux ceci, vous l'avez, vous n'êtes pas satisfait. J'ai besoin de ceci, vous l'avez, vous n'êtes pas satisfait. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Il parlait d'un homme insensé maintenant. Un homme qui ne va pas mettre Dieu en premier lieu. Un homme qui ne va pas faire de Dieu sa priorité. Qui ne va pas faire du royaume de Dieu sa priorité. Un homme qui ne fait pas de Dieu son désir. Un homme qui ne fait pas de Dieu sa priorité. Et le ciel sa priorité. Et la gloire de Dieu sa priorité. Un homme qui n'a pas d'égard pour le royaume de Dieu. Un homme qui ne passe pas. Un homme qui dit que d'abord les habits, l'éducation, la profession, le boulot d'abord, et les autres choses d'abord, et puis le salut viendra en dernière position, et Dieu va venir en dernière position, la gloire de Dieu en dernière position. Que cet homme est insensé, que cette femme est insensée. Verset 16, et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Avez-vous remarqué que chaque fois, je mets ma récolte, ma vie, mes greniers et mes ceci, ma profession, tout, c'est l'égoïsme. C'est un homme égoïste et égocentrique. Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour
pour qui? Vous comprenez? Oui. Les maisons ne vont pas vous suivre aller au ciel. Oui. Les diplômes ne vous suivront aller au ciel. Les comptes bancaires ne vous suivront aller au ciel. La seule chose qui pourrait vous suivre aller au ciel, c'est l'espérance du salut là. Tout ce que vous avez amassé, les choses qui constituent votre gloire, je veux ceci, je veux cela, ne vous suivront pas pour aller au ciel. Mais la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, la justice, la pureté de cœur qui vous aidera à voir le Seigneur. Cet homme n'a pas mis cela comme sa priorité, ce qui veut, oui, mon bien, ma propriété, mon grenier, Dieu a dit, insensé. Cette nuit, ton âme que tu as redemandé. Alors, il dit que ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui. Ouais, cela parle de toi maintenant. Cela parle de tout le monde. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Pas de salut. Il n'est pas riche pour Dieu. Il n'y a pas de sanctification. Il n'est pas riche. Il n'y a pas la priorité de faire du royaume de Dieu ça. Le premier choix, il ne fait que penser aux choses matérielles, aux biens tangibles de ce monde. En somme, 119, faire de la priorité le règne du grand roi. Faire de cela votre priorité, le numéro un dans votre vie. Comme vous vous levez le matin, la chose première dans votre vie, quand vous vous couchez le soir, vous allez vouloir faire l'inventaire. Oui, comment est-il entre votre âme et le Dieu Tout-Puissant? En somme 119, verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Incline mon cœur. Que je m'appuie sur tes témoignages. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. C'est le genre de prière à faire. Voyons une autre personne qui a usé de sagesse à faire du royaume de Dieu et le service de Dieu, le salut du Seigneur, l'adoration du Seigneur, sa priorité et non les choses de ce monde. Et les choses de ce présent siècle qu'il n'a pas demandé, le Seigneur lui a donné. Voyons ce que Ruth a fait. En Ruth 1, redécouvrir la voie oubliée à la bénédiction et ce que vous désirez cette année. Vous dites, mais si je peux avoir ceci et cela, alors pourquoi ne pas mettre de cela à côté et faire du royaume de Dieu votre priorité et être sûr que au-delà de toute chose, au-delà de tout ce que vous désirez, vous avez cette expérience chrétienne et votre âme s'est accrochée à Dieu. Votre âme s'est donnée à Dieu. Vous dites, ben, numéro 1, la chose première dans ma vie, je vais servir Dieu cette année. Je vais donner ma vie à Dieu cette année. Je serai totalement vendu à Dieu cette année. Et je serai totalement consacré, engagé, soumis à Dieu cette année. Ce sera la chose première dans ma vie. Et puis je vais permettre à Dieu de faire le reste et m'ajouter ce qu'il veut faire. En route. Chapitre 1, Ruth 1, 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle sœur. La belle-mère parlait à Ruth, mais si tu me suivais, je ne pouvais rien te promettre comme mari. Si tu me suivais, je ne peux rien te promettre comme hébergement. Je ne pouvais rien te promettre comme les biens de cette vie. Ayant considéré ceci, mais si je suis Naomi, maintenant, qu'est-ce que le futur détiendra? Et puis, lui, il a mis l'argent, l'hébergement, la profession, le mari. D'abord, avoir des enfants, d'abord, lorsque j'aurai ces choses, donc je viendrai servir le Seigneur. Et puis, Orpa est retourné parce qu'il n'y a personne qui lui a promis ces choses. Mais verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser.
de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je ne sais pas. Je ne connais pas la beauté de ce lieu. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Il a mis Dieu en premier lieu. C'est ce que Jésus a dit avant d'arriver dans ce monde. Ruth a compris la voie à la bénédiction. Oui, elle sait que si elle aura les plus riches bénédictions de Dieu, les plus grandes et élevées bénédictions de Dieu, il faut d'abord faire de Dieu la priorité. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me dresse dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Mais regardez ceci. Les choses qu'elle n'avait pas demandées, elle n'avait pas dit, oui d'accord, arrivé là-bas, je vais utiliser toute méthode. Je dois avoir un mari, je te suis. Mais je dois avoir une belle maison, je te suis. Je dois avoir de bons soins, je te suis. Je dois avoir ceci, cela. Vous ne devez pas, sinon, souligner cela. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Il faut tout faire d'être né de nouveau, d'être sauvé. Il faut tout faire d'être sanctifié. Il faut tout faire que si la trompette sonne maintenant à tout moment, avant d'arriver là-bas, avant qu'on le soit là-bas, il faut tout faire que vous soyez prêts pour l'enlèvement. Que la justice du royaume est dans votre cœur. Que la vie du roi se reflète et se reproduit en vous. Il faut tout faire que cette justice, cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, il faut tout faire que cela est en place. Et toute autre chose, laissez cela avec Dieu. Et Dieu est un Dieu fidèle. Il bénit ceux qui le servent et ceux qui ont les regards braqués sur lui, il est béni. Voyons Ruth 4. En Ruth 4, verset 18. Et ce que Orpa croyait que cela ne va pas se produire, cela s'est passé. Avant que Orpa n'ait quelque chose, Ruth l'a eu. Cette année, si vous faites la bonne chose avec Dieu, vous aurez plus que vos prières. Vous aurez plus que les désirs de votre cœur au nom de Jésus-Christ. Si vous pouvez redécouvrir cette voie oubliée à la bénédiction de Dieu, vous pensez à Dieu que Dieu est le numéro un dans ma vie cette année. Si je dois faire un choix, ou bien venir à l'église, ou bien faire des affaires, ben venir à l'église. Si je dois faire un choix, soit venir à l'étude biblique, ou bien aller regarder la télé quelque part. Ou bien, si je dois venir à l'église, je dois faire de Dieu le numéro un dans ma vie, la corruption, les choses mauvaises que les gens font. Si vous ne faites pas cela, alors vous ne pouvez pas réussir dans ce pays. Même si je n'ai pas cela, numéro un dans ma vie, qui est le numéro un dans votre vie? Dieu sera le numéro un dans votre vie. Et voyez ce qu'il a fait pour les patriotes du passé, ce qu'il a fait pour les prophètes du passé, il le fera pour vous au nom de Jésus-Christ. En Ruth 4, verset 18. Voici la postérité de Pérez. Pérez a engendré Hétro. Et il continue, pourquoi ne pas lire à partir du verset 13 pour mieux comprendre. Boaz a pris Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils, et Orpa est retourné sans histoire. Vous n'allez pas quitter sans histoire. Oui, les gens qui courent pour ceci, pour cela, nous allons vous oublier. Le ciel vous oubliera. Dieu vous oubliera. Vous allez parcourir la vie sans histoire, sans laisser une trace. Mais les gens qui disent que ce que Jésus a dit, je vais suivre, obéir à ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors je vais exactement faire cela. Vous serez en souvenir au nom de Jésus-Christ. Verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Oui, ceux qui ont fait un bon choix, oui, seront célébrés sur la terre et au ciel. Cet enfant retournera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse.
vers ta belle fille qui t'aime, l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et cela conduit au Seigneur Jésus-Christ. Une bonne portion lui est donnée. Vous aurez une bonne portion à cause de cette femme, parce qu'elle a choisi Dieu en premier lieu, parce qu'elle dit, Dieu sera le numéro un dans ma vie, le reste a suivi. Le reste suivra dans votre vie. En Proverbe 23, Proverbe 23, nous lisons le verset 26. Voici ce que le Seigneur dit. Il faut faire de Dieu le numéro un cette année. Si vous n'êtes pas né de nouveau, il faut naître de nouveau rapidement et vous détourner de vos péchés. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Si vous êtes né de nouveau et vous avez encore la culpabilité, alors quand vous voyez cela, vous dites, mais bien que je sois né de nouveau, c'est comme je suis voleur. Alors il faut confesser, faire votre restitution et vous êtes purifié. Votre conscience est pure devant le Seigneur. La repentance, la justice, la restitution, la réconciliation, vous marchez sans la culpabilité, sans l'oppression dans votre cœur. Donnez votre cœur à Dieu, qu'il n'y ait pas de réserve. Vous dites, mais Seigneur, gloire à Dieu, je sais le Seigneur, parce que sans la repentance, on ne peut pas être sauvé. Et sans la restitution, ce salut est instable, on n'est pas sûr. Celui qui utilise les articles volés, les articles qui appartiennent à d'autres personnes, et il bâtit la maison avec l'argent qu'il a volé, détourné de l'église, votre salut ne sera pas authentique. Et quand Christ vient, vous n'irez pas au ciel. Avec l'argent que vous avez détourné de l'église, ce que vous avez volé de votre bureau, et la maison là, vous n'allez pas l'emporter. Alors vous serez laissé à cause des choses volées. Restituez tout pour que vous soyez affranchis, disant, gloire à Dieu, je suis sauvé, gloire à Dieu, ma vie est nouvelle et votre vie sera nouvelle cette année au nom de Jésus-Christ. Et la promesse de Dieu sera réelle dans votre vie. Je ferai de meilleures choses pour vous qu'autrefois. En Proverbe 23, je lis verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur, tout ton cœur. C'est ce que Dieu demande, c'est ce qu'il exige. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voyons. Actes des Apôtres 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes 5, 29. Actes 5, 29. Le choix que vous faites, la décision que vous prenez, la vie que vous menez, acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pensez-y. Mais la famille collatérale fera des pressions et vient aussi, vient prendre ce titre de chef. À loin de là, dans notre famille, si tu n'acceptes pas la royauté, nous allons te désavouer. Alors il faut plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a aussi des hommes religieux et vous êtes en accord d'une manière ou d'une autre. Il dit que fais ceci, tu dis, mais je suis contre la parole de Dieu et tu désires faire de Dieu votre priorité cette année. Dans toutes tes décisions, vous voulez faire de Dieu le numéro un. Et les gens vous poussent, vous disent, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ou bien les membres rétrogrades de notre église ici, il est rétrograde et lui, il fait beaucoup de choses. Il se permet de faire beaucoup de compromissions. Et que tu fasses ceci, cela, mais désolé, je ne peux plus le faire. Cette année, j'ai consacré mon cœur, ma vie, mon esprit, mon cerveau, mon comportement, mon caractère. Tu t'es consacré à Dieu. Que je suis ton dirigeant, je suis ton pasteur, c'est moi qui t'ai amené ici. Ne me raconte pas des histoires. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Peut-être c'est la femme qui dit que, ta femme dit que, je
je sais ce qu'on nous a enseigné, mais j'aime ceci, j'aime cela. Et tu aimes cela? Contrairement à la parole de Dieu, cette année, j'ai consacré ma vie, mon tout. J'ai tout mis sur l'autel. C'est ce qui veut dire être né de nouveau, ce qui veut dire totalement être sanctifié, devoir obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Peut-être c'est votre mari qui vient, quelqu'un à chérir. Si tu veux, oui, si tu veux avoir mon esprit sur toi, mes yeux sur toi, je veux que tu t'habilles comme ça. Mais regarde 1 Timothée 2,9, il ne faut pas en parler. Il dit, voici ce que je veux, pour que je t'aime, et que tu sois en mesure de dire que tu fasses de Dieu le numéro 1, et tu fasses de ses exigences, ses commandements, le standard de la parole de Dieu, tu fais de cela le premier 1, le numéro 1. Tu t'aimes mon mari, mais ceci là, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela veut dire que cette année, Dieu sera au-delà des dons dans votre vie. Quels que soient les dons que quelqu'un veut vous offrir, quels que soient ceux que, peut-être les dons spirituels, que c'est bon. Mais Dieu numéro 1, le ciel au-delà de la terre, quel que soit ce que la terre vous promet, quel que soit ce que les hommes de la terre vous promettent cette année, le ciel sera au-delà de la terre. Le spirituel au-delà du matériel. Mais il peut y avoir les amis ou bien les collègues qui courent après ceci et cela. Vous les voyez et ils vous regardent parce que vous croisez les bras. Vous les regardez. Hé, hey, toi là, viens ici là. Ne vas-tu pas courir avec nous? Ne veux-tu pas ceci et cela? Mais cette année, Dieu est le numéro 1 dans ma vie. Et si tu n'as pas ceci et cela, toi, attends. J'aurai ces choses derrière lesquelles vous courez. Je les aurai avant vous. Quelqu'un là-bas, donnez-moi un amen. Parce que lorsque vous êtes ici, en cherchant la gloire de Dieu seul, et les gens courent comme des fous derrière les choses matérielles de ce monde, et ils abandonnent Dieu, avant d'avoir quelque chose, vous aurez déjà pour vous. Parce que si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, Dieu va vous ajouter toutes les autres choses. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Avant, vous remarquez comment les gens prennent soin de leur corps et se lavent le matin et les s'habillent et ils vont au boulot, ils gagnent de l'argent, ils vont à l'école et ils ont le diplôme. Est-ce que vous voyez que toute chose c'est pour le corps? Et la plupart des gens, les gens font cela pour le corps et ils négligent leur âme, leur expérience. Il n'y a pas de recommen matinal. Et il n'y a pas de dévotion matinale. Il n'y a pas de lecture biblique le matin. Il n'y a pas de prière matinale. Il n'y a pas de verset à prendre pour toute la journée que je pivote. J'axe ma vie sur ce verset ce jour pour savoir que Dieu numéro 1. Dans ma vie toute la journée, la Bible numéro 1. Dans ma vie toute la journée, les doctrines bibliques. Dans ma vie toute la journée, l'enseignement biblique. Dans ma vie toute la journée, mon engagement à Dieu toute la journée. Je me soumets, ma soumission à Dieu toute la journée. Quel que soit le défi qui arrive, la décision que je dois prendre, je dois pivoter ma vie sur ce verset de l'écriture. Il n'y a pas le temps pour cela. Ils ne pensent qu'à leur corps, à la nourriture, à l'habillement, à l'hébergement. Il n'y a rien qui parle de leur sagesse. À chercher la face de Dieu pour vous cette année, vous allez penser à votre âme, à votre esprit, et avant de prendre soin de votre corps, que moi, mon esprit est numéro 1. Parce que quand vous mourrez, le corps va dans le tombeau. C'est votre esprit et votre âme qui vont à Dieu. Et si l'âme là n'est pas purifiée, n'est pas soignée, alors c'est pas ça. Cette année, les choses spirituelles seront le numéro 1 dans votre vie, au-delà des choses matérielles, au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, donnez-moi un amen. Deuxième point, recherchez la justice du royaume céleste. En Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33, vous allez voir ce que le Seigneur Jésus dit. Numéro 1, il dit, il faut bien fixer vos priorités. Et 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous parlons de la priorité, la chose première de votre vie. Que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Numéro 2 maintenant, et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et dit, voici ce qu'il faut chercher. Vous êtes entré dans le royaume.
vous êtes de nouveau, je vous l'ai dit. La parole de Dieu nous a dit que si l'homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si l'homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, vous êtes de nouveau, vous êtes entré dans le royaume. Vous avez fait de Dieu le numéro un dans votre vie. Qu'est-ce qui suit afin que la bénédiction soit ajoutée à votre vie? Ça, c'est la poursuite de la justice. Et ça, et la justice, c'est rechercher ou poursuivre la justice de son royaume céleste. Voyons, Sophonie. En Sophonie 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, et pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, vous voyez. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Du jugement de Dieu, il dit, recherchez la justice. Voyez, si vous lisez plusieurs livres du monde là-bas, les actualités, quand on va au programme, ouais, tous ces gens qui étalent leurs livres, ouais, ces gens vendent ceci et cela, et là, ils ne savent pas le contenu du livre. Vous voyez la belle couverture, vous achetez le livre, et puis on vous dit, vous ne devez pas être né de nouveau, que vous ne devez pas essayer d'être juste, que la justice de Christ vous a éclaboussé. Cela vous est donné, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, que vous soyez juste ou pas. Que initialement, que Dieu vous a donné ça, que cela vous est imputé à justice. La parole de Dieu a dit, parce que vous étiez pécheur, parce que vous ne connaissez pas le Seigneur, dès que vous venez au Seigneur, oui, le seul droit qui vous est donné, c'est la justice de Christ qui vous est imputée. Maintenant, il y a un autre mot. La justice vous est imputée. C'est ce qu'il dit ici. Il y a la justice pratique. Il y a la justice active. Il y a la justice personnelle. Il y a la justice selon le comportement. Et la justice active. Cherchez à être juste. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'est pas comme... Faut pas passer à la justice, je vous l'ai déjà donné, je vous l'ai déjà imputé, que là, au point de salut, que vous êtes aussi juste que vous le serez toute votre vie. Jésus n'a pas dit ça. La priorité du royaume de Dieu, c'est poursuivre, rechercher le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comme je vous l'ai dit, il a dit que nous devons rechercher sa justice. Voyons ce verset important en Jérémie 45. Jérémie 45, verset 5. Et toi, rechercheras-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Voilà, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas la voie à la bénédiction de Dieu. Et disent, mais qu'est-ce que je veux être? Je veux être une étoile brillante là en haut. Rechercheras-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Toutes les fois que vous lisez un article, vous dites que c'est ce que je veux être. Et la volonté de Dieu, je dis voici ce que je veux. Et l'objectif pour lequel Dieu vous a créé. L'homme là est un docteur. Si tout le monde est docteur, oui, où seront les ingénieurs? Si tout le monde est ingénieur, où seront les docteurs? Si tout le monde est ingénieur, ouais, où seront les couturiers, les tailleurs? Si tout le monde est tailleur, où seront les maçons? Il nous a créés de façon différente pour pouvoir équilibrer les besoins du monde. Donc, vous ne pouvez pas dire que je vois celui-là, voici ce qu'il est, je serai comme lui. Je vois celui-là. Non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il sait le pourquoi il vous a créé. Venir au royaume. Toi, nais de nouveau. Et toi, sois sanctifié. Soumets ta vie, ta personnalité, tout au Seigneur.
que le Seigneur fera de vous, le pourquoi il vous a créé. Que quelqu'un dise Amen là-bas. Et ce que Dieu a planifié pour vous depuis l'éternité, parce que toutes ses œuvres le sont connues avant la fondation du monde. Le pourquoi vous a créé, il vous le donnera. Il y a des gens qui viennent à l'église, comme on voit l'église, et disent je choisis ceci et cela. Et si tu dis que le Seigneur dirige le pasteur a fait ceci sur les pasteurs, non. Ce mois d'alliance, j'ai fait alliance avec Dieu. J'ai déjà choisi ce que je serai. C'est toi qui vas choisir ce que tu veux. Oh bien, c'est Dieu qui va choisir ce que tu veux que tu sois. Celui-ci veut être apôtre, celui-là veut être apôtre, celui-là veut être que je veux être apôtre. Et les jeunes aussi de cette génération, qu'est-ce que vous voulez être? Je veux être apôtre. Hein? Alors où sont les évangélistes? Où sont les pasteurs? Où sont les enseignants? Je ne sais pas, nous serons tous apôtres. Oui, sur qui serez-vous votre ministère d'apôtre? Si tout le monde est apôtre, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin. Que si tu dois m'écouter, si tu ne chercheras pas de grandes choses pour toi-même, il dit que je vais te bénir au-delà de ton attente et le fera au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 51, j'ai le verset 1 et 2. Ésaïe chapitre 51, j'ai le verset 1 et 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez, qu'est-ce qui suit là? Quel est le mot qui suit? La justice. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Oui, dans ce livre, où les prédicateurs évangéliques disent que tu n'as pas besoin d'être juste, que Christ t'a donné la justice. Laissez cette justice et croyez que tout le monde est assez juste. Non. La Bible a dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher, Dieu vous avait été taillé. Sur le creux de la fosse, Dieu vous avait été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père. Et c'est Sarah qui vous a enfanté. Quand lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Il va vous montrer le modèle. Comment Abraham a cherché Dieu. La priorité, c'est Dieu. La poursuite, c'est la justice. Et je l'ai appelé tout seul. Il n'a pas imité les autres. Il n'a pas poursuivi les autres. Et il a fait ce que j'ai voulu qu'il fasse. Et je l'ai appelé et je l'ai béni. Et si vous suivez ce modèle d'Abraham, il va vous bénir cette année. Et la bénédiction va se multiplier au-delà de vos rêves fous au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer quelques exemples de celui qui a cherché la justice, qui a suivi la justice. Et Dieu a dit, je l'ai appelé et je l'ai béni. Voyons, Genèse 13. En Genèse 13. Est-ce que je lis verset 5? Est-ce que vous avez reconnu que ça c'est le premier livre de la Bible avant les autres révélations de la Bible? Voyons l'attitude de ce patriarche Abraham. Le Seigneur dit, regarde Abraham, parce que c'est lui qui a commencé en parlant, c'est lui qui vous a engendré en parlant aux Israélites. Et je l'ai appelé, je l'ai béni. Si vous faites le même, alors vous serez béni. Si vous allez faire le même, votre poursuite sera justice. Genèse 13, 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et les querelles, mésententes, conflits entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Avez-vous remarqué cela? Tout ce que vous cherchez, vous devez lutter avant de l'avoir. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la voie à la bénédiction. Si vous voulez quelque chose avec un conflit, vous devez lutter avec Abraham. Vous devez vous battre avec votre voisin. Vous devez vous quereller avec un membre de l'église. Vous devez
vous devez lutter avec votre femme, avec votre mari, avec quelqu'un avant d'avoir la chose là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Cela veut dire que votre salut n'est pas ferme, votre salut n'est pas authentique. Vous pourriez être comme Lot qui a choisi quelque chose pour lui-même. Vous pourriez être comme Lot qui finalement même perdre tout. Il a tout perdu à Sodome et à Gomorrhe. Même sa femme est devenue une statue de sel. Et si Abraham a dit que non, qu'il n'y ait point, je te prie, qu'on ne se querelle pas sur quelque chose, les choses matérielles du monde, les biens terriens, les maisons, ou bien le boulot, ceci et cela. Abraham dit à Lot, il dit que nous sommes frères, qu'il n'y ait point de, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tu le bien n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, c'est ça? Ce sont les gens, des gens charnels, ce sont les gens, des gens non scripturaires, ce sont les gens mauvais, les gens rétrogrades, ce sont les gens, des gens qui font de leur priorité les choses matérielles, les biens matériels, l'argent, l'argent, l'argent en première position. Le matin, l'argent, l'après-midi, l'argent, le soir, pas d'études bibliques, à tout moment, c'est l'argent, l'argent, l'argent. C'est ça qui fait leur cœur. Et Dieu est relégué en second plan. Et ce sont eux qui perdront l'enfer. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Cela n'est pas important pour Lot. Moi, je veux le pays là. J'ai besoin des pâturages pour mes troupeaux. J'ai besoin de bien. Que les gens soient pécheurs ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je peux vivre à leur sein et aussi être juste. Je ne peux jamais être juste. Verset 14, l'Éternel dit Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vois cela. La bénédiction est revenue à Abraham. Le Seigneur dit, regarde Abraham. Quand vous regardez Abraham, et vous faites comme lui, disant que tout cela n'importe pas pour moi. Ce qui importe pour moi, c'est Dieu. C'est dans l'état de justice que vous serez béni. C'est dans cela que vous recherchez la justice de Dieu que vous serez béni. Je veux que vous voyez ceci. En Genèse 20. En Genèse chapitre 20. Je le verset 3. Le Seigneur va vous défendre. Vous ne devez pas vous défendre. Vous ne devez pas faire des défenses, ceci, ma vie, ma femme, lui là, il coupe beaucoup, chaque fois, à la réunion des dirigeants, réunion lundi, mardi, réunion mercredi, réunion jeudi, mon mari, oh, quand aurons-nous une bonne vie matrimoniale, mon mari, non, sois prudent pour ne pas perdre ton mari appartient à Dieu, quand ton mari serve Dieu cette année. Du coup, votre mari serve Dieu cette année. Ma femme. Que votre femme serve Dieu cette année. Vous serez l'homme le plus heureux de la planète au nom de Jésus-Christ. Genèse 20, verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Ce qui est arrivé ici, c'est que en chapitre 18,
de Genèse, Dieu a promis à Abraham que l'année prochaine, l'enfant que tu espérais viendra. Il y aura le sourire dans votre vie. Je vois votre visage. Où êtes-vous? Le sourire viendra. La joie viendra. C'est le chapitre 18. Et arrivé en chapitre 20, 19 parle de lutte et Sodome et Gomorrhe détruite. Chapitre 20 maintenant est arrivé. Abimelech a regardé la femme d'Abraham et dit que vraiment une bonne addition à ma famille, viens ici. Et puis elle a enlevé la Sarah. Et la promesse de Dieu est là. Que l'année prochaine, à cette époque de l'année prochaine, avec l'année prochaine, que voici votre année. Il dit voici votre année. Avant que la promesse là n'arrive à s'accomplir, Abimelech a pris Sarah. Abraham n'a pas commencé à dire oh Dieu, ma femme, ma femme, ma femme. Abraham, même, on ne met pas Abraham, sais-tu? Et Dieu va défendre celui qui ne peut pas se défendre. Celui qui ne peut pas aller prendre un avocat, aller à la justice pour le défendre. Va là-bas. Avant d'aller là-bas, nous avons vu tous les juges. N'allez pas. Avant qu'il aille là-bas, Dieu sera là avant eux. Et Dieu est arrivé à Abimelech que toi, tu vas mourir. Si tu ne laisses pas la femme là, je vais te tuer. Parce que la femme là est une femme spéciale. Votre femme est une femme spéciale. Vos enfants sont spéciaux. Votre mari est spécial. Dieu va protéger tout le monde au nom de Jésus-Christ. Verset 4, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Une nation juste? Une nation juste? De quoi parlons-nous? Votre priorité, votre Dieu, votre poursuite, la justice. Verset 5, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme. Tu as pour toi, il a pour lui. Alors, rends la femme à son mari. Oui. Je restaure le mari à sa femme. Voici la première femme dans la maison de cet homme. Restaure la femme à son mari. Toi, tu l'as pour deuxième ou cinquième femme. Restaure la femme à cet homme. C'est la justice. C'est la restitution. C'est la voie de la bénédiction. Les gens ont oublié qu'on doit suivre la voie de la justice, la voie de la repentance, la voie de la restitution, la voie de la justice, afin d'être béni par Dieu. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, mais si tu ne fais pas cette restitution, sache que tu mourras. Tu mourras. Je te l'ai dit. Voici ce qu'il faut faire. L'homme là, Abraham, est spécial pour moi. Ne touche pas à sa femme. Maintenant, rends-lui sa femme. Si tu dis que tu es roi, Abimelech, et les rois ne font pas de restitution. Si tu dis que tu es un prince, et que les princes ne font pas de restitution. Si tu dis que tu es un grand homme de la société, que les grands hommes ne font pas de restitution. Tu dis que tu es politicien, que les politiciens ont l'autorité alors, et ne font pas de restitution. Et tu dis que tu es intouchable, invulnérable, que les gens invulnérables de la société ne font pas de restitution. Toi, Abimelech, je vais te traiter, je vais te tuer, tu vas mourir. Je vais poser une question. Si cet homme meurt sans restitution, iras-tu au ciel? Comprenez, Dieu a dit, toi si tu ne fais pas ceci, tu vas répondre de ta vie avec l'éternité. Tu iras en enfer. Et il lui dit, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs,
des serviteurs et des servantes et les donne à Abraham. C'est bon, mais tu n'as pas fait la chose dernière. Verset 14, dernière partie. Et il lui rendit Sarah sa femme. Et il lui rendit Sarah sa femme. Et il lui rendit Sarah sa femme. Vous voyez, il faut la réduction. Parce que ce que Dieu a fait après cela. Verset 17. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Mais lorsque la rédition est faite, il était affranchi de ce mal. Dieu demande la justice. Ce doit être notre poursuite. La justice le jour, la justice la journée, la justice la nuit et dans tout domaine de votre vie. Matthieu 5, verset 6. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cette année, le Seigneur veut qu'on fasse de cela notre poursuite, qu'on soit assoiffé de la justice, qu'on ait faim de la justice. Vous êtes sauvés parce que vous êtes sauvés. Vous ne vous accrochez pas à ce qui appartient à autrui. Vous ne vous accrochez pas à un diplôme d'autrui. Et vous ne vous accrochez pas à ce qui est volé. Vous faites la restitution. Vous restituez cela. Vous rendez juste devant le Seigneur. Si vous avez ravi la fille d'autrui, pas de dot, les parents cherchent la fille et tu la caches quelque part, il faut faire la restitution. Vous devez rendre la jeune dame à ses enfants. Si vous avez la deuxième femme, troisième femme, onzième femme, vous devez les restituer. Parce qu'un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ce que le Seigneur dit. Et cette année, comme nous avons fait et soif de la justice, le Seigneur va nous rendre juste absolument au nom de Jésus-Christ. Verset 20. Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Je prie que ce ciel, que nous y entrions au nom de Jésus-Christ. En Colossiens chapitre 3, en verset 1. Colossiens 3, verset 1. C'est donc que vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes né de nouveau, vous êtes crucifié avec Christ, vous êtes mort avec Christ, et maintenant vous êtes ressuscité. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si son expérience est la vôtre, vous vous identifiez avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Crucifié avec lui, mort avec lui, enseveli avec lui, maintenant ressuscité avec lui. C'est donc que vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Voici ce qu'il dit. Toute cette course est venez, laissez cela et que je vous dise ceci, cherchez le royaume de Dieu, faites de cela votre priorité, cherchez sa justice, que cela soit votre poursuite et affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort à l'alcool, oui, celui qui est mort ne s'intéresse plus à l'alcool, vous êtes mort à la cigarette et ou à la marijuana, vous êtes mort à l'intimidation de la société secrète parce que vous êtes mort parce que ces occultistes ne peuvent rien vous faire. Vous êtes mort aux rouissances du monde, vous êtes mort à leur argent et à leurs bijoux, à leur maquillage, vous êtes mort à toutes ces choses. Et quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le temps glorieux vient. Quelqu'un là-bas, je dis le temps glorieux vient. Vous êtes mort à ces choses qui vous attiraient.
ces choses qu'il utilise pour vous tenter, les choses pour vous épingler, la vie de justice et de sainteté n'était pas possible à l'époque parce que vous n'êtes mort à ces choses, vous n'êtes pas mort à ces festivités, à ces carnivals et à ces souvenirs. Mais maintenant vous êtes mort avec Christ, vous êtes maintenant en Christ, vous êtes mort et enseveli et ressuscité avec Christ. Votre vie maintenant est différente. Cette année, votre vie sera différente. Quelqu'un là-bas, je dis, votre vie sera différente. Et puis, il dit en verset 5, si la vie sera différente, faites donc mourir. Il faut mourir, mortifier, tuer, détruire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, que cela meure. L'impurité, que cela meure. Les passions, que cela meure. Les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Que cela meure dans votre vie. Qu'on n'entende pas parler, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et nous dit, mais comment devez-vous vivre maintenant? Quelle vie devez-vous avoir maintenant? Verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Verset 16, que la parole de Christ, la parole de repentance, que la parole de Christ, la parole de restitution, que la parole de Christ, la parole de justice, que la parole de Christ, la parole de sainteté, de sanctification, que la parole de Christ, la vérité de Christ, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, chantant à Dieu, pas chantant avec péché, pas chanter avec culpabilité, pas chanter avec injustice, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs et l'inspiration, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Premier point, c'est faire de la priorité le règne du plus grand roi. De vous rechercher la justice du royaume céleste. Toi, c'est posséder les richesses de son saint royaume. Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Allez voir ce verset en trois parties. Premier point, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Deuxième partie, la justice de Dieu. Trois maintenant. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, au lieu de mettre cela en premier lieu, au lieu de courir après cela, restez là où vous êtes. Et chercher le royaume de Dieu. Et oui, prier, laissez rester que votre cœur soit apaisé, que vos pieds soient fermes. Ne soyez pas anxieux, ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas agité. Restez là où vous êtes. Dites, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, et je me concentre sur toi seul. Et je fais de ma priorité le royaume de Dieu. Je fais de ma recherche ma poursuite de la justice de Dieu. Reste là où tu es et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'addition viendra. Je dis l'addition viendra. Parce que Dieu n'échouera jamais. Il ne faillira pas. En Daniel 4, l'addition. Daniel chapitre 4, verset 34. Daniel 4, verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar de tous les hommes, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. Dès que ma raison me revint et j'ai reconnu ma folie, j'ai reconnu comme je me suis égaré, j'ai reconnu comme j'étais orgueilleux et puis il m'a ramené par terre. Alors, dès que la raison me revint, j'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération.
Les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il le plaît avec l'armée des cieux. Et tout est maintenant, tout est sur le ciel, sur Dieu, sur son royaume, sa gloire, et tous les habitants de la terre, et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Il élève Dieu, il exalte Dieu, il met Dieu en premier lieu, il ne parle plus de son royaume, il ne dit plus que, oui, que j'étais absent 7 ans, que dois-je avoir maintenant, tout d'abord, maintenant, il parle de Dieu, 36. En ce temps, la raison me revient. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Ils le cherchaient. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Crier cela ne fit que s'accroître. L'addition. Quand le monde crie addition, cet homme a cherché la foi de Dieu et que ma raison m'est revenue. Alors j'exalte Dieu, je fais de Dieu le numéro un. Il est tout en tout, je suis rien. Tous les gens de la terre sont néants devant lui. Il est le seul grand Dieu, il est le très haut. Et Dieu a ajouté cela à sa vie. Comme fait sur cette année, je vois votre vie à l'addition. Je vois votre vie comme vous allez. Les choses même que vous n'espérez pas, vous serez surpris. Dieu va vous embarrasser avec des miracles cette année. L'addition. Parce que la priorité, Dieu, et puis la poursuite de la justice. Deuxième roi, chapitre 20, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'est la justice. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Esaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du roi lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Êtes-vous là? J'ai entendu ta prière. Quelqu'un là-bas? J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. La guérison est venue. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai. Dites-le ma haute voix. J'ajouterai à tes jours 15 années. L'addition. L'homme a parlé d'un cœur intègre. Il a parlé de la justice. Que je ne décide pas de changer, de rétrograder. Je ne pense pas à aller au monde et goûter quelque chose. Le cœur intègre, la justice et le cœur pur. Esaïe va le dire. L'addition lui est arrivée. 15 années lui sont ajoutées. Vous aurez l'addition. Proverbe 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Vois cela. Il faut faire de Dieu le numéro un dans votre vie. Lorsque vous cherchez le royaume et sa justice, sachez que vous serez donné par-dessus. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront d'eau mou. Et si vous cherchez le Seigneur, si vous faites de lui le numéro un dans votre vie, si vous faites de lui la priorité de votre vie, et dit, il ajoutera beaucoup de choses à votre vie. En 1 Roi 17, verset 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta maison. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit.
Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Vous ne mourrez pas. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. D'abord, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Il faut faire de Dieu votre priorité. Dieu d'abord. Comment voir Dieu? Élie représentait Dieu. Il représentait Dieu. Et fais-lui d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ainsi pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. C'est la priorité, c'est Dieu. Quelle est la poursuite? C'est la justice. Et l'addition viendra. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voyons, Malachie. En Malachie 3, Malachie, voici ce que le Seigneur dit. Malachie 3 dit seul. Dieu d'abord, lorsque vous mettez Dieu en première position, vous pouvez votre dire, mon frère, que vous dites, ah, j'ai cette dette à m'en acquitter. Dieu d'abord, et votre poursuite, c'est la justice. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pas une moitié de la dîme. Ne sois pas comme Ananias et Saphira, mais toutes les dîmes. Ananias et Saphira n'étaient pas fidèles. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, cette année, il y aura une abondance de bénédictions. Il y aura des bénédictions qui coulent. Au-delà de ce que vous demandez, de vos désirs, Dieu le fera cette année au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu d'abord. La justice d'abord. Et l'obéissance à la parole de Dieu, la fidélité d'abord. Si vous faites ce que Dieu demande, et dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Aucun sorcier, aucune sorcière ne vous touchera. Aucune puissance des ténèbres ne vous touchera. Dès que vous obéissez à la parole du Seigneur, de cette année, ma priorité c'est Dieu. Servir Dieu c'est ma priorité. Suivre Dieu c'est ma priorité. Mon salut, ma relation avec Dieu c'est ma priorité. La justice, la sainteté au Seigneur c'est ma priorité. Ma poursuite le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, à tout moment où je veux prendre une décision, où la tentation se présente, ma priorité, ma poursuite, c'est la justice, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dit, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Toutes les nations me diront heureux. Toutes les nations de la terre vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices de l'Éternel des armées. Cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, cette année, il faut faire de la justice. Il faut mettre la justice au-delà des richesses. Avant de chercher les richesses, avant de courir après les richesses, avant de courir après ceci et cela, il faut que la justice soit mise au-delà des justices. Il faut mettre la justice devant la prospérité. On va dire, je veux ceci, je veux cela. Il faut faire de la pureté le numéro un, au-delà de la prospérité. Au-delà de cette prospérité. Si vous cherchez la pureté, vous faites de cela le numéro un. Avant la prospérité, cela viendra. Cette année, la sainteté devant lui. Il y a des gens, tout ce qu'il veut, la guérison.
Non, là c'était ouais. Celui qui est au-dessus, ce qui est au-dessus, celui qui vient d'abord avant la guérison, c'est la sainteté. La sainteté, c'est là que personne ne verra le Seigneur. Comme vous cherchez la face du Seigneur, la sainteté au Seigneur, c'est notre chant et notre la sainteté le matin, la sainteté le soir, la sainteté à l'église, la sainteté dehors là-bas, la sainteté dans la famille, la sainteté lorsque ton mari n'est pas là, la sainteté lorsque ta femme n'est pas là, la sainteté lorsque les gens ne sont pas là, la sainteté transparente, continuelle, la sainteté prévalente, la sainteté au-delà de la tentation, les choses qui vous attirent, la sainteté au Seigneur à chaque moment de ma vie, la sainteté avant la guérison, la sainteté au-delà de la guérison. La guérison là sera facile. Tu dis au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéri avant que nous finissions la prière. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison jaillira promptement. Ta justice marchera devant toi. C'est ce que nous disons. Et tu as la justice pratique, la justice active, la justice impartie, la justice dans le comportement. Si c'est ce que tu as, cela va avant votre prière. Et le Seigneur dit, alors il y a la justice impartie aussi bien que la justice imputée. Et la justice marche devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il n'y aura pas de faute, il n'y aura pas de chute dans votre vie. Toutes les choses qui vous effraient, vous allez les vaincre au nom de Jésus-Christ. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est cette année, je dis c'est cette année. Cela vient et cela viendra, vous allez l'expérimenter au nom de Jésus-Christ. Osée 10, Osée chapitre 10, Osée 10, 12, Osée 10, 12, 12, semez selon la justice, tout ce que vous faites cette année, que cela soit dans la justice, mari et femme, ils discutent, ils parlent ensemble dans la justice, faut pas calomnier à la maison. Faut pas me dire de quelqu'un à la maison, faut rien faire de mauvais. Marie sur la justice, femme sur la justice, là où vous travaillez, qu'il est la justice, dans la rue, la justice, dans le bus, la justice, partout où vous vous trouvez, semez selon la justice. Lorsque vous signez la le reçu là, que cela soit fait dans la justice, vous voulez, on vous donne la corruption, sachez que cette année, c'est l'année de la justice pour vous. Tout ce que vous dites, vos actes, à l'église ou en dehors de l'église, la justice. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, c'est la priorité. Il est temps de chercher l'Éternel, c'est la priorité cette année. Il est temps de chercher l'Éternel, et ainsi il faut être prêt pour l'enlèvement. Il est temps de chercher l'Éternel, c'est la priorité de notre vie cette année, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Cette année, ce n'est pas une justice, une goutte de justice, mais une justice qui tombe comme une pluie de justice sur nous. En vous, la justice, autour de vous, la justice. Votre langage est rempli de justice. Tout ce que vous faites, c'est la justice. Jusqu'à ce qu'il vienne pleuvoir la justice sur vous. Lorsque la justice là, est là, au-dedans et au-dehors, autour de vous et au-devant et au-derrière, partout là où vous travaillez, où vous trouvez. Alors vous avez cet engagement, un engagement transparent à la justice. Toutes ces bénédictions seront les vôtres cette année.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. D'abord, vous devez prier le pasteur ou le dirigeant, partout où vous trouvez maintenant. Prenez le pupitre, dirigez le peuple de Dieu dans la prière. Après, je viendrai prier pour vous. Cette année, c'est l'année de bénédiction. Tenez-vous debout maintenant et priez. Disant, Seigneur, cette année, c'est l'année de justice. Votre priorité cette année, Dieu, votre poursuite est la justice et les richesses du royaume seront les vôtres.
année, tout ce que vous désirez cette année, c'est l'année d'accomplissement. Mais quand vous faites de Dieu votre priorité et votre poursuite de la justice, cette année, tout petit détail, toute grande chose que vous désirez sera votre année d'accomplissement. Levez la main vers le Seigneur. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ton peuple. Merci pour la sincérité de cœur. Merci pour le cœur que tu nous as donné pour te chercher cette année. Je prie, Seigneur, qu'il n'y a personne ici sans saluer au nom de Jésus-Christ. Donne à tout le monde la grâce de se détourner du péché pour revenir au Seigneur, avoir une bonne expérience authentique du salut au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons de nous avoir donné Jésus qui a versé son sang pour notre sanctification, notre sainteté. Je prie, Seigneur, que la sainteté soit rendue possible à tous. Donne-nous la victoire dans la tentation et fais-nous réjouir dans ta justice impartie au nom de Jésus-Christ. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tu as dit que si nous cherchons premièrement le royaume et sa justice, tu as dit que toutes choses nous seront ajoutées, données. Je prie, Seigneur, que cette année, dans cette assemblée, et tout ce qui m'écoute maintenant, qu'il n'y ait pas d'exception. Je prie, Seigneur, que le passé soit oublié, que la pauvreté du passé soit passée, que la maladie du passé soit passée, que l'échec du passé soit passé. Je prie, Seigneur, que les tiers du passé soient essuyés au nom de Jésus-Christ. L'addition que tu nous as promise, je prie, Seigneur, que dans chaque vie, dans chaque soeur, dans chaque frère, dans chaque garçon, fille, et partout maintenant, que l'addition commence maintenant. Seigneur, menace les dévorateurs pour tous au nom de Jésus-Christ. Et les termites et les gazis qui ont détruit nos affaires, qui ont détruit nos familles, Seigneur, menace-la en faveur de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Cette année, toute arme formée contre quelqu'un sera sans effet. Quelqu'un qui se lève contre quelqu'un en jugement sera condamné au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta justice soit notre possession. La justice pratique sera notre modèle de vie. Je prie, Seigneur, que chaque puissance des ténèbres, que tu la fasses taire. Tout ce qui se lève contre une famille soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est contre les jeunes, les enfants, que cela soit mis sous le pied au nom de Jésus-Christ. Ce qui est contre les parents, grave cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui essaient de se marier et la voie n'est pas ouverte, je prie, Seigneur, que cette année, que tu ouvres la voie pour eux. Aie pitié d'eux. Seigneur, quel que soit ce qui les empêche, ôte cela au nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit nos forces. Je prie que cette année, selon ta parole, que l'addition soit là cette année, la multiplication cette année sera meilleure que le passé au nom de Jésus-Christ. Il y aura des témoignages partout. Il y aura la joie partout. Nous nous confions en ta promesse, tu ne peux jamais faillir. Je prie que tu l'accomplisses dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Affranchis ton peuple. Affranchis et libère dans ta bénédiction. Confirme cela dans toute vie. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il n'y a pas d'applaudissement, Merci que je vous bénisse. Nous faisons encore. Êtes-vous là? Bonne heureuse année à vous tous. Une année prospère pour vous. De grandes choses vous arriveront cette année. Quand vous allez, la bénédiction va vous rencontrer en route. Quand vous allez, la bénédiction va vous accompagner. La joie dans votre famille. La joie dans votre lieu de travail. Et je suis impatient de vous revoir. Et je peux vous dire qu'à votre arrivée, il y aura des témoignages. Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, lorsque vous prenez votre Rio Grande, quelque chose de la chose, je suis avec vous là-bas. Les bénédictions de Dieu ne vont jamais cesser dans votre vie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.